Salut très chers abonnés de KBS Pro Télévision, je pense que vous allez très bien de partout où vous nous suivez. C'est toujours votre présentatrice Eliud Kabeya. Vraiment, de partout où vous êtes, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse énormément. Très chers abonnés de KBS Pro Télévision, de vous présenter cette émission. Je ne suis pas seule, comme vous le voyez. Je suis accompagnée de mon collègue, Tonton Ricky. C'est avec lui qu'on va parler d'un sujet important aussi. Nous allons parler des élections en RDC, réalité ou farce. Bonjour, Tonton Ricky. Bonjour, Eliud Kabeya. Je pense que vous allez bien. Très, très bien. Merci pour l'invitation. Ok, Tonton Ricky, est-ce que selon vous, les élections en RDC, ils aura vraiment l'importance ou comment? Vous voyez, avant d'abord de parler des élections en RDC, il faudrait d'abord commencer par parler de Kabila. Oh, comment ça? Parce que c'est lui qui a porté les élections en RDC, c'est Kabila. Les élections organisées par Mobutu, on ne peut pas compter ces élections-là. Ok? Ah bon? Les élections de Mobutu ont été faites, comme nous le savons, Zaki élection Morobo est dictatoriale, élection Morobo est Ndenge Naye. Donc il y a Aponi Kakati Atiembramo. Donc lui c'était une obligation à revoter Kakaye Moko. Vous comprenez? Alors, s'il y a eu quelqu'un qui a organisé des élections en RDC au Tomoni, c'est Kabila. Il y a Ndenge Morope à moi bien, il y a Ndenge Morope à moi faux. C'est Joseph Kabila. Kabila. Alors, en 2001, Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, comme nous le savons, sans projet, hein, sans exercice, rien du tout. Et après, en 2006, il organise des élections, les premières élections de la RDC organisées par Kabila, c'était en 2006. Avec comme candidat de taille, c'était Jean-Pierre Bemba. En 2001, on parlait de la CEI, Commission électorale indépendante. Et en 2006, il y a eu changement. Nous parlons maintenant de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Pourquoi ce changement? Point d'interrogation. Mais vous pouvez expliquer plus. Arrivé pendant les élections de 2006, nous avons eu deux candidats de taille. Nderonabiso et Équateur, Jean-Pierre Bemba. Igwe. Voilà. Nderonabiso, Joseph Kabila. Se sont affrontés dans les élections. Il y a eu des dégâts pendant l'organisation des élections, même après l'organisation des élections. Le problème, c'était quoi? La CENI devait publier Moutou au peuple congolais. À voter qui? À voter qui peut reconnaître que je l'avais voté, que Yende Moutou Sakinini à Bimaki. Mais qu'est-ce qui prouve que Kabila a voté à Bimaki? Parce que RDC, c'est pas seulement qu'il y a une chose. Il y a des images, il y a 2006, c'est Eliud Kabeya qui prouve. Il y a des PV qui ont circulé par-ci, par-là. Mais il faudrait savoir que la CENI était dans la poche de Kabila. D'ailleurs, c'est toujours dans la poche de Kabila. Tissikoy. Ouais, Tissikoy. Vous nous donnerez raison en 2023. Alors, on prend Bemba, on le met de côté, on nous installe Joseph Kabila comme président élu. Jean-Pierre Bemba va recourir à la vérité des urnes, qui n'aboutit à rien. À rien. Donc la chose qui m'étonne, c'est quoi? Quand Jean-Pierre Bemba est allé faire les recours de la vérité des urnes, après ça n'a pas eu d'effet et il a laissé tomber comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Mais toi, tu sais que tu es gagnant. Comment tu peux laisser comme ça, Karabo? Mais c'est pour vous dire que les politiciens congolais ne sont pas crédibles. Même en 2023, il n'y a aucune personne, Oyo, peuple congolais, au côté de la Moutema. Azate. Mawa. Quel que soit Fayoulou, quel que soit Bemba, que ce soit Moïse Katumbi, il n'y a aucune personne crédible au peuple congolais à côté de la Moutema. On arrive en 2011. Kabila organise encore les élections. Tel est ce qu'a fait César Makassi dans la RDC. Donc, élections en réalité. Élections à RDC, le résultat est la farce. Ce sont des résultats préfabriqués. Voilà, voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, arrivé en 2011, tu sais que dit le papa, le grand-père, le véritable Chichi. Il remporte les élections. Ouais, c'est lui le faiseur de Fatih. C'est l'original. Vraiment. Voilà. Arrivé en 2011, on organise les élections. Tu sais que dit le père, remporte les élections. Ne me pose pas la question comment. Mais on doit savoir, non? Pourtant, on peut savoir. Alors, tu sais qu'elle dit le père remporte les élections.
Tout le monde le savait. L'élection est le père. Atikala, Kosenga Batumbongote, Atikala Kopé Sabatumbongote, Atikala Kopé Sabatou, Nini. Kopé Sabatumbongote, Nasoloté. Pour nous, nous sommes en train de faire ça. Pendant la campagne. Voilà. Au contraire, c'est la population de Esangiselaka Tchichi, le père Mbongo. Tu comprends? Et ils l'ont accompagné dans les élections que lui a gagné. Ça n'engage que moi. Puisque j'ai fait les analyses selon moi. Après, je sais qu'il y a des gens qui nous suivent déjà sur YouTube, ici, dans la TV, tout ça. Ils diront que non, lui, il était là. Tshisekedi, le père, a remporté les élections. Peuple congolais, soyez bien haut. À part le peuple qui est comment va fanatique. Vous allez comprendre? Surtout, bah, toi, FCC. On ne peut pas entrer dans la politique pour faire le fanatisme. Non. On doit entrer dans la politique pour être ni chaud ni froid, aux attièdes. Tu au prends Oyamala Mozui, Oyamabe Osainini, Obwaki. Arrivé en 2011, Tchichi le père, il remporte les élections. Il nous sort une phrase Bola la Pongi à Babébé. Bola la Pongi à Babébé. Yababébé. Sur base de quoi Tokola la Pongi à Babébé pendant que nous savons que notre président, c'est Étienne Tshisekedi. Le Congo n'a pas de chance. C'est pour te dire que Baza crédible T. Batouana Nyonso. Et après, Shina Rambo a continué à faire quoi? À diriger. Là, c'était le deuxième mandat de Shina Rambo. Poto comme en élection en 2018, Shina Rambo a manipulé Makambu, il a cherché à faire des magouilles, faire ceci pour avoir un troisième mandat. Ok? Totele Melaye, to boya makambo ba révision à constitution ba marche salama ba église et marcha ba sango ba kufa le biso ya longwa c'est pas parce que les gens ont marché, c'est parce que yemo ronde ya lingaki qui ça longwa yemo Shina Rambo non Shina Rambo yemo linga nenge il était arrivé à la fin ozo mona to eloko sale o sale komi na suka moya o sale suma ka msusu ezate il faut laisser. OK, il s'est dit que si je continue à m'entêter, non souka le quoi Bagbo, non souka le quoi président Moussous africain Otoyebi ou Souka Mabe. Alors, vu que Shina Rambo savait que la prison l'attendait, n'a pas continué à diriger Mboka Nengona CPI et Zelangaï. Puisque dans son gouvernement, dans sa gouvernance, Batouba Koufa Ebele, il y a beaucoup de dossiers. Il y a Kabila. Alors. Il s'est un tueur d'État s'est transformé en père de la démocratie en complicité avec Félix Antoine Tshisekedi. Où est la réalité, où la transparence des élections, où l'indépendance des élections dans tout ça? Exacté. Puisque si nous allons de 2006 jusqu'en 2018, farce n'a farce. Nous sommes en train d'aller lentement sûrement en 2023. En 2023. Donc, c'est par rapport à il y a Mouto Batiak à la tête de la CENI ou comment? Il y a une personne oiseau contaminé Batounios. On comprend? Il y a un homme le plus puissant oiseau tchaba moyen naïe, na bateau baza, na CCCCC. Non, mais on le connaît, on le sait tous, non? Cette personne-là. J'ai lu de Romo le grand problème. Hein? Cette personne-là. Alors ça, Nini, à repère ça, injonction naie, ben instruction naie, hein, bah envie naie, bah pour ça n'est pas batouana que bossa. Et ces gens-là vont exécuter, puisque l'appareil électoral est en carte à poche à Joseph Kabila. Vous allez comprendre. Et vous n'allez pas faire le contraire de ce, qu'il de ce va que l'autorité morale du FCC demande de faire. Tout qu'en 2023, ah, élection zoyate. Bokanga date ya lelo bato o bazolanda biso na kati ya KBS Pro TV na kati ya mission biso classe politique en 2023 ce qui FCC récupérer pouvoir T. En tout cas nga na tiki mama TV YouTube. Je ne souhaite pas parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Vous avez vu Shadari ya Kindu? Ma même Shadari na Chipoit. Ne pensez pas que c'est quelque chose mon Bwesami kaka comment je peux dire le moins sami kaka et salami kaka tiki salama. Ils ont déjà ma campagne de bandi. C'est comme mon Félix Tshisekedi a cédé ka boy kaka na peut-être. Mais qu'est-ce que Tshisekedi a à faire? Lui on l'a placé là mandat soké sili, on va mettre une autre personne. Kabila c'est un faiseur de président. Et en 2023 pouvoir aux zones dans ma boko ya FCC. Et puis si le FCC récupère les pouvoirs, en tout cas mesdames et messieurs, tili fobo. Mais on a l'Iwadz. C'est pour vous dire que Congolais, en 2020, il faut hâter les mains. Il faut aller, qu'est-ce qu'il doit faire devant Makanisi, Yabadongolomi, sur Mbokanabiso.
Parce qu'aujourd'hui, même la jeunesse, même la vieillesse, ce baba Koumi, ça va sans la moutou. Moutou opé, ça va moi zate. Même cette personne m'a ramené sur ma baie à Sala pour la bangoué le barélo remoroté. Si je dois donner un bilan au travail de Kabila, je ne sais pas si c'est pas ma question. Le bilan de Kabila, ce qu'on appelle son pourcentage, est à 25% réussite. Donc 75% on a nyonso. 75% nyonso wana et l'autre côté. Donc 25% c'est quand je quitte Kinshasa jusqu'à Mwanda, ça va. Ça va. Nzeleza asphalté, mabouluté et l'autre moroté. Sauf que Nzela Bandundu. Bandundu, Fayulu. Ata la Bandundu, Muzitu. Ata la Bandundu. Pour tout le monde, on a le bagage nini. Oh non, moutou la moutou. Et chaque acteur politique, ata la coin na yé. Donc, Fayulu, Talabandundu, Mouzi Toupé, Talabandundu. Donc, si je comprends bien, Ata Fayulu, on va rendre à tout le monde, il est là, Ata Fayulu, on va à côté. Donc, ton garde, on a toujours quand même rien. Mais Fayulu a quel moyen de survivre, Fayulu a. Mbouni, Fayulu, Azalamo, pour qu'il ne retourne à Bandundu, Minitio. Il ne pouvait que réaliser des projets que si il devenait président de la République. Azoamon, il y a flat, il y a un Fadel House. Non, soyons quand même sérieux. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que les élections de 2023, il faudrait que les Congolais aient la mise sous gars. Nous allons apprendre. Ceux qui ont la zone à la carte, n'ont pas la carte, n'ont pas la carte, n'ont pas la carte. En 2023, MCC a récupéré le pouvoir. Peut-être que n'ont pas la carte. Et je pense que même l'élection aux arrêts, c'est dans mon coin. MCC a fort parce que toujours pèse sa force. C'est parce que peuple, ça peuple ou ça, là, ce le peuple doit se révolter. Le bilan de Konanga et TGV dans la KBS Pro TV, il faut qu'il y ait un soulèvement. Mais moi, je ne souhaite pas qu'il y ait un soulèvement. Moi, je souhaite qu'il y ait un éveil de conscience chez tous les Congolais. Tout le temps, il y a un peu de temps Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Et ça a réussi aussi. Ça a réussi. Aujourd'hui, on parle de forum institutionnel, tout ça et tout. Tu répètes ce qui est dans le monde. Vous allez comprendre? Ça a réussi. Et si nous marchons dans la rue que Libala et FCC na cash et Kabouana, il faut et Kabouana. Et bon, on se dit, président Félix, c'est ce qui est aligné dans un côté. Il est au pouvoir grâce à qui? Grâce au FCC. Non. Avant d'aller au FCC, s'il est au pouvoir... Grâce au peuple. Grâce au peuple. Mm. Là, c'est entre parenthèses. Pour lui, il faut dire ça, c'est entre parenthèses. S'il est au pouvoir, c'est entre parenthèses. Grâce au peuple, entre parenthèses. Si Félix Tshisekedi est au pouvoir. Mm. Et si le peuple marche, il doit entendre qui? Le peuple, lui, il dit il est élu de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de qui? C'est la voix de Dieu. Alors, si on demande qu'il puisse divorcer avec le FCC, il doit divorcer pour qu'en 2023, tout ça, Mamsousou, et qu'il est bien. Déjà, gratuité et coti, ça va déjà. Mais gratuité, il paraît qu'ils ont long, non? Ils ont aussi un degré élémentaire. Gratuité fait quand tu as un système des humanités, puis quand tu as une université. Si Fati le fait, là, on dit Fati béton. Mais gratuité, on a dit qu'il n'y a pas d'enseignement. Et pour l'enseignement, c'est tout dans l'école, il y a l'État. Ok, quand tu es dans la salle de classe, tu trouves 85 élèves dans la salle. Mais l'école, c'est quoi exactement tout ça? Mais avant, ce qui est la gratuité, c'est qu'il faut que ça l'école. Pour que tu aies mais lui a préféré faire les sauts de moutons et les maisons préfabriquées. On ne peut pas parler de gratuité sans avoir assez, suffisamment d'école. Mais comme M. Zagana Simassier, je n'ai pas eu de temps, il y a 260 dans la classe. Vraiment. Mes professeurs ont mort, on a facilement la gratuité. Est-ce que ces enfants sont suivis? Est-ce que bah, on a besoin de temps à prendre le faux? On ne sait pas. Alors, si Fati Béton doit arranger les choses en RDC, avant de lancer un projet, mais quand on amène un programme de 100, quand on amène un programme de 100 jours, programme d'urgence, pourquoi faire ça? Pourquoi prouver aux gens qu'on peut amener un changement dans 100 jours? Et ça, erreur, on a Vital Kamer, ça a qui? Kabila n'a pas amené un changement en 100 jours. Vraiment. Hein? Même Kabila, le père, n'a pas amené un changement en 100 jours. Même Mobutu n'a pas fait ça. Hein? Donc, quand tu veux prouver aux gens que Oyo Sikweza Tournanga Makambo est rechangé et que tu te mets 100 jours, il y a les mêmes prison, et même détournement, et même Makambo est belé. Or, les seaux de moutons et les maisons préfabriquées, et ça qui coûte tout primordial, t'es pour Nabisso. C'est ça. Et ça primordial, t'es pour Nabisso. Mais tu coûtes mes sous, on a un silite, bas seaux de moutons. Mes sous, c'est silite, bon. Et puis on se demande, est-ce que aussi là,
Parce que 2023 bientôt, 2023 calaté. Est-ce que aussi saut de mouton et s'il est silaté, ça ne regarde pas 2023. Fatih va justifier son bilan en 2023 lui seul. Il ne sera pas avec Kabila à côté. Il ne sera pas avec Jeannine Mabunda. Il ne sera pas avec Alexis Tambwe Mwamba. Il sera seul en train de justifier son bilan. Et pour que le peuple congolais lui fasse encore confiance, il faut à ça l'effort que na bilan nae oya mandat nae oya zui oyo. À ça la réalisation monte à 65%. Toi à 50%, on dira que non. Toti qu'elle a étant, toti que Kabila, toti qu'elle a étant aé na 5 chantiers. 5 chantiers et si la t'es. Tokoti a échangé comme une révolution à la modernité. Toti qui est temps. Et souka nanzala ndenga kenda. Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui a été fait? À part Bandrande Nazoloba. Ok? Cinquantenaire, ça œuvre à Mobutu. Modifié par Kabila. Hôpital du cinquantenaire, voilà. Oui, le boulevard. Ezara Mouke va finir sur Kabila. Ok? Ce n'était que ça. Œuvre au Yaye Moko Penza, Yaye Moko personnel. Moi, je ne sais pas si je peux citer Ata Moko. Tu vois, Basoyete Moussou sur l'État, où il y a qui a l'État, comment privatiser. DG Nango, Joseph Désiré, Joseph Kabila. Tu comprends? Donc, les élections de 2023, c'est que je demande au peuple congolais. Batounion Sobazo Landabiso, élection 2023, il faut tout tchelango Mayele. Moulungé auto tchaki ronsar malonda. Moulungé auto tchaki na maramba loa mina kuna sakata. Moulungé ana il faut ezonga. Et puis ça doit commencer maintenant. Pas demain, maintenant. Kalate? 2023 c'est demain. 2023 c'est demain. C'est aujourd'hui que l'on doit marcher, savoir comment faire divorcer le FCC et le cash. Et le cash. Aujourd'hui, le politicien Vital Kamerhe se retrouve en prison. Sur la mina côté la dossier à 100 jours, on a les larmes coussins bien. Tu verras qu'il y a une même mise. Il y a ma voisine, quand il y a dossier, il y a Vital Kamerhe. Il y a Vital Kamerhe. Pourquoi écarter Vital Kamerhe de Félix Antoine Tshisekedi? Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas à l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'est dit. Et puis, si je dois lancer un message au président de la République, Joseph Kabila n'a jamais livré un de ses proches, quels que soient les abus. Bon. Mais pourquoi Félix Antoine Tshisekedi a permis qu'on puisse arrêter, Vital, Vital Kamerhe sous le titre du directeur de cabinet. Vous savez que Mboka on a yiki comme le dit John Kabamba. Mboka za yiki. Tu comprends? Donc élection Mboka na biso oyo pour la nga mona en réalité té et en ngo farce à vous. Et comme avenir et comme avenir na ba moment mususu hein. Bosali élection mais to boyi to voter té. Mais Abraza, qu'est-ce que les gens se disent? Ouais, to ko mara le quoi na Abraza. Ils vont plus voter parce qu'ils savent qui sera déjà président de la président République. Donc, mais c'est pas de photo quand on a ni ni wana na allure wana. Ben oui. Même si on vote, bon, c'est peut-être ça sauter. Par contre, ça au bon balingi. Dans des préférences devant la bande qu'on a dit. Ben, lorsque nous on marche, pona mutuabimi si y était. Oui, bah ça ranine. Masasi. Bah tout ça va couper. Camion maya moto. Après deux jours, trois jours dossier pe lali wa. Prestation à serment. Tolera bilo au bac baba. Bah, présenter Bissot. Donc c'est difficile de parler de réalité des élections en RDC. Depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, tous les élections sont transparentes, libres. Et zoa maté. Ce que tu as dit, c'est que tu as dit que solution as dit que solution as déjà que non, as dit que tu as dit que tu as réforme. Que tu as réforme électorale. Et ça l'a d'une manière sérieuse. Dans ma réforme, il y a institution. Nous avons un peu moins d'enseignants. Il faut la moutoua comme la seni. Si la moutoua niveau super, bengali bango tout. Mais on se balance, batozi batoua sika nakati. Mais on dirait que beaucoup d'enseignants là tsara batou qui monte à ma bé. Mais quand quelqu'un dans la galère, c'est d'abord la biseau. Tous nous sommes dans la galère. Net plus haut, tous sommes marambois politiques. Boy, ah, élu de Kabila, ah, non mais marambois, y a Fati, ah, tu peux c'est moi, l'eau, moi, bah, quand même non. Anié. Au Kangi, mon obani au Sanjo là. C'est ce qui fait que, bah, tous sommes bah, juges, tous sommes cour constitutionnelle, bah, cour de cassation, bah, ministre, tous sommes là, bah, ça va me faire marambois encore parce que, qui bobola naie. Bobola ne se voit pas. On a Moussala pour aller à Nembo, bon, comme il le faut. Tu vois, donc ces pays, il faut pas laver pays où on a des mots, surtout FCC, il faut pas panza, bango, penza. Mon ne va pas tomber, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas tirer en dabo à la météo, tu ne vas pas tirer en dabo boulevard, tout ça. FCC, il faut qu'il y ait des mots. Est-ce que tu es au coca? Et ça m'a ramené à y a pour être unis. Ça dépend que du chef de l'État. Tout ce qui se passe en RDC, c'est le chef de l'État qui est responsable. Hein? Le mariage avec le FCC, c'est le chef de l'État. Il y a mon ressort le banc qui non rupture et vous allatez entre le rupture, FCC et le ben, cash. Il va comprendre tant que comme là-bas 2021, 2022 qu'il faut qu'il y ait rupture. À comprendre, hein? Il va comprendre cela.
et tous ceux qui entourent le chef de l'État, conseiller le chef de l'État d'une manière positive, non d'une manière négative. Bon, on peut voir t'as intérêt. Ce que moi il est intérêt, il est comme les bons. Est bomi, yango. Yango des obos mambo. Madé soit ban. Je soutiens Monsieur Barnabé, honorable Barnabé, bisinga na kelimbo ma que non. Réforme baro salanizaka ya maboum. Soit moi toi s'est retrouvé kaka. Atikine makambo ya vérité, atikine makambo ya intérêt à peuple, a monté l'intérêt à libumunaye. C'est quel pays? C'est vérité désir de. Ça s'arrête comme ça. Et si le peuple congolais a vu que Fayulu Nde est mieux placé pour diriger la RDC. Mais aujourd'hui, Moukebaï et Fayulu, ça ne va pas. C'est quel genre de politique ça où Moutoualekin a été fait pour finir à Mouninga, pour se faire secret, ou tous les gens qui ne vont rien arranger. Non, ça n'existe pas. Quand il y a des problèmes entre des hommes, Bobengani Pembeni, Bosaini, Bobengani, c'est pas passé à la télé que non, non, il y a Melanga $50, bon, il y a Mouzitu. Et puis, il y a 3 millions. Non! C'est pas ça la politique. Fayulu a juste eu $50. Bah, imaginez un peu qu'Amela Mike Moukebaï $50. C'est une honte pour. Donc, c'est vraiment ridicule. Non seulement il tombe dans le Parlement, et comme Fayulu Amela a $50. C'est toi, Babi, tu tombes dans le Parlement. 3 millions, quel est 3 millions, 3 millions sera payé ça pour la vérité des urnes. Donc, plein de choses, moi, et ça que Moukeza a développé. Bah, quand on dit, bah, moi, le Parlement, bah, Boumani. Si, quoi, et puis c'est la population, ça, Annie. Et puis, vous avez dit qu'on arrête les Koulouna. Mais les vrais Koulouna sont dans le Parlement. Oui, oui. Les vrais Koulouna sont dans le Parlement. Les couleurs en cravate. Et il y a des gens qui disent même, vous savez Kabila, s'il est en liberté, il doit beaucoup remercier Dieu. Mais tôt ou tard, il finira en prison. Il y a quelqu'un qui a dit que deux sociétés au Kabila, à Tikela Bissoba Congolais, et ça, Winner, na Paris Foot. Il n'a pas tort, je lui donne raison. Il n'a pas tort. Lolo ma maman yanda ku mwasi alibala 4 enfants qui obet à Paris Foot. Oui, bazali. A qui ote à liste un papa responsable vraiment mon aye wana ba programme match nyon sa landelaka. Qui nous a rendu comme ça? Kabila. Le travail est comment pour la ba combo. Ba combo dit. Ce que za mungala sous étena ya bangala ba kotisio. Ce que za muluba ba chi. Voilà. Ba kabe ya banani okoti. Ok, kuna. Netu yo roza kabe ya bo. Roza mwa chance. Ba mamba mo. Na presse présidentielle. Ce que za pe mina sema. Ce que za pe mina sema. Pe. Biso so ba mina sema minute yo toza te. Mino boza e soute. Toza e soute. Ba chi na ba kande ba zani. Toza 2023 tango FC sa o repere pour vendre tozo ngi na tan. Tozo ngi na gaz. Tozo ngi na gaz. Tu vois. Non, peuple congolais. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que nga natika koloba que FCC ça qu'on récupérer pouvoir? Rien du tout pour la ndenge FCC zo kendele. Moi je sais qu'en 2023 pouvoir ils ont nanga muna bango. Et vous serez étonné de voir Shadary président de la République coup sur coup. Vous serez étonné. Na kemboka. Si qu'on t'entend Rigi yo aux en parti ningwe. Parti. Ah, parti politique ni nos amis. Parti politique on a la moins parti en Zambie. Zambie ça rapporte un peuple. Oui. Ah bon? Et on a parti nous sur tous à la RDC. Ma partie du peuple paysat. Oh, parti du peuple n'est parti en Zambie. Ah bon? Donc yo zana yo. Nanga na zana nga na parti du peuple. Nanga na parti en Zambie. Nanga na parti. Ayo zana ni en Zambie à tel la peuple. Yo sur zana parti. On a peiné la partie de quand même on a eu. Kouanga na parti te poto za TV va pas na kolo na za kombi aloso yo musicien mo kwa yembi ba député bazo tozo pesa ba vika raboué na polo na 3000 francs. Alors je voudrais lancer un message. Très important, permets-moi Eliou de Kabea. Le musicien Karmapa oyo basango zo le kana internet que non, il a été mis aux arrêts, il est en justice. Nicolas Nze mona mama yembo c'est pas boya okanga, moi je m'en fous. Moi je dis ceci. Makambu Karmapa ayembi eza ya solo. Oh. Na mayembo soko za na mbongo te bako simba yo te. Soko okufu pe tali bango te. Et puis pareil bako ba boma hôpital de hôpital ou bango makomisa de référence de général soki général nini na yebite. Tala eta hôpital wana ezaleli. Na mawa. Musicien Asali Musala na ye ayembi a lancé message. Mais oui bako kanga ye pourquoi le compliquer? Pourquoi le compliquer?
Pourquoi le mettre au mais il faut en base à interpeller que non, voilà, voilà, message à passer. Nani, le musicien Karmapa, s'ils sont en train de dire qu'ils vont, ils vont les mettre aux arrêts, tout ça, en tout cas, Mboko, il y a des fous à la tête de ces pays. Non, magistrat dans le dossier, non, juste dans le dossier, il y a Karmapa. Il doit revoir un peu ce qui se passe dans sa tête. Tokéi, ah ouais, on a tout ça, ben, trop, ben, mission, tout ça, non, tout ça, tout ça, dossier à Karmapa. Je pense que samedi déjà, Balanda Kabes Rotiv, on a de ça quand même pas. Là, il y a gare centrale. Gare centrale est comme un site touristique. Les lots, papier, à nier, sachet, à ma souba. Donc, gare centrale, mawa plein. Sony. Quel est mon maro dans l'image, je pense, à rebalancer. Sony, c'est un peu. Oui, Payo, écoute, Kala. Mawa. Mboko écoute, Kala. Na peuple. Bate quand on a gardé mon temps à partir. Na peuple. Na gouvernement. Hein? Na bateau, bateau dirigé. Na bisou, mon peuple, bateau, ma boma. Souci. Batoma bom. Tu te rends compte que Batmazo bah que non, tu la ta cache, tu me sois t'as libi sauté, tu la ta honte. Soda koutou yé moko yé moko policier à la tite. Papa mon robot et que limbo. Moi c'est bon dans la ti cache n'était soda lundi tata tata la somme on est bazo la ndebo à sauter qu'à niveau et pas à koufi pour la cache. Oh là là. Donc c'est donc Mboko pourquoi ma minute est si liée prochainement que limbo m'appelle ça temps penato pense ma vérité Mboka ou puisque pour les élections je dirais en bref que peuple congolais a joie tant à méditer élection à Mobutu Ezara et leur moroté dictature élection à Kabila sangisi dictature na démocratie n'était sur la démocratie te donc tout méditer sur les élections au Eleka, sur les candidats au Baleka, de Sevabiso, tout est bas, nan yako dirige, mboka ou. C'est au méditer, c'est au bimito, tout moyen crédible, le FCC en 2023, je répète, a pour récupérer pouvoir Tinati. FCC en Olikamini, bon, on va dire que vous conduisez, vous n'avez pas dit que la banine a été bonne. Bon, ça fatigue, à l'oukamoué, au Kabouanana, Bango, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Merci tonton Ricky, vraiment pour la. Merci, Lutte Kabéa, pour l'invitation. Ah oui, merci. Magana lobby dans la mingite. Le lobby mingite, l'autre attend mingite. Donc, l'obapena mingi prochainement. Okay. Et nous sommes déjà à la fin de notre émission. On se retrouve prochainement. Na makamusu ya malon. L'autre, on se retrouve juste prochainement avec un autre numéro. Au revoir. Bye bye.